Vous êtes l'heureux possesseur d'un truc top encore là, vous êtes conscient, hein? Je sais pas, mais bon, c'est quand même un truc génial. Parce que là, donc, on a, là je vous fais genre effet, hein, donc on a le jeu, et de ce jeu, je vais, c'est le terme consacré, extraire quelques cartes que j'ai envie d'utiliser. Tiens, on va prendre juste ces quatre-là, elles sont belles, hein. Ça, on n'a pas tout ce qu'il faut, je voudrais dire, si on veut gagner au poker, mais là, on a déjà quand même des éléments, hein, je dirais. Alors, ce qui peut être sympa, c'est, avec ces quatre cartes, d'essayer magiquement de les retourner. Mais de les retourner, vous voyez, si je fais juste ça comme ça, ça les retourne, mais dans les deux sens. Dans les deux sens, je m'explique, c'est-à-dire que maintenant, j'ai par exemple le valet qui est retourné. Mais je fais juste ce mouvement, après il n'y a même plus besoin de retourner, c'est très, très high-tech. Et après, c'est la dame. Là, je fais juste ça, et là, maintenant, c'est le roi. C'est top, non? Hein, vous appréciez ça? Ouais, c'est vraiment bien. Alors, évidemment, on peut aussi avoir tout qui se retourne. Hein. Et là, maintenant, la question à se poser, c'est, mais alors, de quelle couleur sont les dos? Je vous aide un peu. Comment? Rouge. Vous dites quoi? Rouge. Ah, mais non, mais ça, c'était tout à l'heure. Parce qu'entre-temps, c'est devenu bleu, vous voyez. Moi, j'ai que des cartes bleues, en fait. Hein? Alors, le problème, c'est que comme vous aviez vu que c'était rouge, et maintenant que c'est bleu, ouais. Vous pourriez vous dire, oui, mais alors, est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est rouge? Il peut y avoir la moitié bleu, la moitié rouge, ou alors, carrément, il peut y avoir du multicolore, et vraiment du... Vous voyez, comme ça. Puis là, c'est sympa, parce qu'après... Bah, on peut examiner tout le jeu, et tout est pour vous. Et vous avez pu voir un petit miracle sympathique.